Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un petit houmous avec du chou-fleur et une pita croustillante. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour notre recette. Alors, ne soyez pas toujours impressionnés parfois par le nombre d'ingrédients. Vous allez voir que c'est très facile. Donc, ça, ce sont nos petits pains pita. On a ici une boîte de pois chiches égouttés, des citrons jaunes, du persil, de l'huile d'olive, un chou-fleur frais, un petit peu de paprika, des pignons de pain et un petit peu de tahina qui est en fait une crème de sésame pure qu'on trouve vraiment partout dans tous les magasins maintenant. Alors le principe va rester le même pour tous les légumes, c'est que on va préparer d'abord et cuire notre légume. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va découper les bouquets, vous voyez, regardez, en suivant les côtes comme ça, pour que ça cuise un petit peu plus vite. Donc là on va prendre de l'huile d'olive, on va prendre nos gousses d'ail qu'on va simplement... parce qu'on va les mixer après, couper en 3 ou 4. Donc ça, directement dans l'huile. Ça nous donne une sorte de témoin pour la température de l'huile aussi. Ça sent déjà très bon. On va pouvoir ajouter les morceaux de chou-fleur. Voilà, donc on va laisser gentiment colorer ça. Ensuite, on va mettre le couvercle dessus, baisser le feu et on va laisser cuire. Alors pendant ce temps, on va déjà faire le jus de citron. Voilà, on va mettre le couvercle pour garder l'eau de végétation. Et on va continuer la recette. Donc, dans notre robot ici, les jus de citron, les 200 g de pois chiches, les 8 cuillères à soupe de tahina, n'oubliez pas de la crème de sésame pure. De cette façon-là, on n'a plus qu'à attendre la cuisson du chou-fleur et mettre le chou-fleur à l'intérieur de la préparation. Vous voyez, pas besoin d'eau, ça cuit, ça a coloré un petit peu, on a concentré le goût, les arômes sont différents totalement de si c'était cuit à l'eau. On va rejoindre les autres ingrédients dans notre robot et on va mixer. Voilà. Alors, j'ai passé les petits pains pita au toaster. Regardez. Hop. Et là, vous venez mettre, prêt à tremper, quelques petits pignon de pain sur le dessus. Ça, c'est pour la gourmandise. Alors ça, c'est l'anka. Hein, vous rentrez et puis c'est un petit peu tard, vous n'avez pas trop envie, vous servez ça pour l'apéritif. Et qui plus est, c'est une astuce pour faire découvrir aux enfants le chou-fleur, parce que je peux vous garantir que là, ils ne sauront pas trop qu'il y a du chou-fleur, parce qu'on sent quand même toujours plus le pois chiche, la crème de sésame, bien sûr. La technique est importante, pas toujours la recette. Créez les vôtres, changez les légumes, adaptez-les à la saison pour des raisons évidentes de coût et de goût. Vous nous envoyez les recettes et avec ça, on va encore une fois colorer la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!